Salut à tous, c'est toujours le Gratteur Fou. Ben aujourd'hui j'ai testé un jeu qui s'appelle le White Rabbit. Alors pareil que mes précédentes vidéos, en fait j'ai choisi ce jeu car il y a l'option pour acheter les free spins. Alors je tiendrai à préciser quand même que j'ai changé de PC car avant je jouais sur des PC portables, j'avais certains jeux qui étaient un petit peu lents, notamment au niveau des rouleaux. Donc là je vais jouer sur un PC tour, un PC de gamer, donc éventuellement ce sera beaucoup plus rapide. Alors je pars donc avec une balance de 950 euros suite à la partie précédente qui était un petit peu catastrophique. J'ai dû donc refaire un dépôt. Alors on va voir donc le prix d'achat de ces free spins. Alors 1,100 €, ok. D'accord, 5,500 €. Hop, 10 c'est 1000 euros, ok. Bon, on va tester donc un achat qui coûte quand même 500 euros pour... Avec des mises à 5 euros, 5 euros le spin. Allez, c'est parti. En espérant bien sûr avoir quand même un bon coup de chance. Alors, symbole free spin. Alors, prix d'achat 500 euros, espérons que ce soit rentable. Alors, 14 free spin, ok. Alors win 36,50 pour le moment, plus 18. Alors apparemment ici on a le Mega Wave, c'est-à-dire au fur et à mesure que de différents symboles apparaissent, des cases supplémentaires de symboles apparaissent, et donc c'est les possibilités de gagner. Donc éventuellement, plus il y a de symboles, plus il y a de possibilités de gagner une combinaison gagnante. Alors pour le moment win 80, c'est peut-être un peu mal barré. Alors jouer 7, restant 8. Alors win 135,50. On est quand même loin du prix d'achat de 500 euros. Megaways 18 522. Ah, petite musique. Alors espérons que ce soit un win sympa, on va voir. Ok, 100, 110, 120, t'arrêtes pas, tu peux monter, big win, cool. Alors 160, d'accord. Megaways il augmente un petit peu à 20 580. Pour le moment, 369 de win. C'est l'avant-dernier spin. Alors, tout va se jouer là. On va total win 398. Donc, bilan, c'est le casino qui gagne. Prix d'achat 500 euros. Total win 398. Donc, ça fait 102 euros de bénéf pour le casino. Alors balance restante 848. Du coup bon, on va retester donc un achat 500 euros en espérant que ce soit un petit peu plus généreux quand même. Allez, c'est parti. S'envoyer un deuxième round de free spin. Free spin acheté. Alors Megaways, là il commence à 4500, il vient de passer à 5400, ok. Alors, espérons que ce soit rentable sur ce coup-là. Il reste en 11. Alors total win 20 pour le moment. Alors 7 spins joués, 8 restants, total win 38.
Alors, repasser la chance légendaire du gratteur fou. Alors, voyons voir. D'accord, win 120, 121. Total win 214,50. D'accord, win encore 106. Total win 320,50€. 4 spins restants après celui-là. J'ai comme la légère impression que c'est encore le casino qui va gagner. Alors win 60,50€ pour cette partie-là. Avant-dernier free spin. On a le Megaways qui a 32,256. Plus de chances apparemment de gagner des combinaisons gagnantes. Ah bah total win 515. Ok bah ça fait un petit bénéf de 15€ quand même, c'est pas énorme. Mais bon au moins rien de perdu. Bon bah du coup 15€ de bénéf sur ce coup là, bah du coup on peut retester un autre achat. Allez c'est parti. Ce sera le bon, qu'on va faire péter un big win. Allez, faut compter sur le facteur chance. C'est quand même bien stressant d'acheter cette session free spin, c'est quand même pas donné, faut quand même que ce soit rentable. Alors, qu'est-ce qui va sortir ici? Win 37,50, total win 76 pour le moment. Ça paye ça, 47. Alors, free spin joué 8, restant 7. Bon, pas très généreux pour le moment. Alors, la petite musique qui va bien. Oui, 90 plus 6, 97,50. 20,50€ en plus de gain. Alors, espérons que ça paye parce qu'il reste 3 spins restants. On est loin du prix d'achat quand même. Ah là, c'est pas trop mal. Big win, cool. Alors 467,50. Ah, les têtes de bonne femme, ça peut bien payer. Alors, voyons voir. Alors, j'ai vu 150 à l'heure marquée là, donc du coup, je vais dépasser le prix d'achat des free spins. Ah, bah, ça fait un bénéf là déjà, même s'il n'est pas énorme. Du coup, avant-dernier free spin. Alors, 6 ways 150. Bon, ok, là au moins on aura fait un petit bénéf. Alors, dernier spin. Alors, total win 779,50.
Là, c'est pas mal du tout, ça fait 279,50€ de bénéf. Ah, donc on est quand même gagnant sur cette session, la balance elle remonte à 1142,50. Alors on va quand même refaire un dernier achat, espérons ne pas faire bien sûr une erreur. Testé avec des spins à 10€, mais le prix d'achat aurait été 1000€, c'est un petit peu risqué tendu quand même. Alors espérons ne pas s'être planté quand même en faisant ce super achat. Total win 39,50. Alors le méga waste qui augmente au fur et à mesure, les possibilités de gagner une combinaison gagnante. Huitième free spin, 7 restants. Voilà, il reste que 5 spins. Là, je crois que c'est le casino qui va être gagnant, là. 3 spins restants, total win 158, plus 15,50, 173,50. Voilà, ça semble mal barré. Ok, total win 190, donc 310€ de gagné pour le casino. Là, c'est le casino qui a été gagnant. Alors la balance est redescendue à 832,50. Bon, bah, du coup, on va faire un dernier test d'achat, mais je pense que ce sera le dernier. Si c'est pas payant, on va s'arrêter là. Là, c'est un petit peu trop tendu. Bon, en tout cas, au moins, point positif avec ce nouveau PC, les rouleaux ils rament pas, donc. Un peu plus rapide. Alors, total win pour le moment 2€. Total win 2€. Ça continue comme ça, on est mal barré. Alors, total winning 16€, spin restant 5. Là, faudrait quand même un petit miracle, une belle petite combinaison gagnante. Qui va bien. Alors 120, plus 6, plus 2, ok. Alors 3 spins restants, faudrait quand même gagner quelque chose, parce que là, total win 158. Alors 102,50. Alors avant d'arriver.
dernier spin. Ok, total win 300,50 €, d'accord. Bon, c'était presque 200 € de bénéfice pour le casino. Alors, balance 633, que faire? Arrêter ici ou retester un achat? Bon, allez, tant qu'on y est, autant bien se suicider, on va refaire un achat. Alors, espérons que ce soit le bon cette fois-ci. Ils sont passés les big win hyper chanceux du Rater Fou là. Apparemment, ils sont totalement absents. Au moment 60,50 € de win. Bon, au niveau win, on cumule les cacahuètes au moment. Ici 44 de win, d'accord. Alors après celui-là, 6 spins restants. Alors le gratteur fou va-t-il plumer un peu ce casino ou est-ce que c'est le casino qui va le plumer? Plutôt parti pour la deuxième option, se faire plumer par le casino. Donc 294,50 avant dernier spin. Le spin de l'espoir. Bon ben voilà, moralité, c'est encore le casino qui gagne. Donc fin de partie 473, bon ben ça fait une petite perte quand même assez conséquente. Bon bah ben, apparemment sur toutes ces sessions de free spin achetées, une seule fois c'était gagnant, voilà. Bon, éventuellement, on va arrêter ici et garder ce montant pour un autre jeu, voilà. Éventuellement, je vais voir si je peux retrouver un autre jeu où il y a cette option d'achat de free spin, en espérant bien sûr que ce soit un petit peu plus payant. Bon, ben sur ce, les amis, c'était donc un test avec ce jeu White Rabbit. C'est un petit peu quand même mal goupillé, c'est plutôt le casino. Il s'est fait des sous sur le dos du gratteur fou. Enfin, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais bon, comme quoi on ne veut pas gagner à tous les coups. Bon ben sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines sessions de jeu en espérant bien sûr bénéficier du facteur chance. Allez, la bise à tous, bonne journée !